صدق الله العظيم. وقدمت هذا الجنائز للسلبيشن وتاعت الهارد ورك عن ديديكيشن اوف اور تو كوماندا هو كفاية تو ميك ذي سيرموني رياليتي. وفي كانت برمشن اي ود لايك تو جيف ذا فلور تو ذي اور تو كوماندا. Ты что это пытаешься сделать, please? Намерена также организовать сотрудничество с вами, трабая ашаны, любовима, зелот, рахмадра, дивите, кя трабая саналаш, подари реализацию на сет церемонии. А вот в эту позицию же умрет она ла паролу команда де ла Маруфтеи. Gabriel, mon général commandant de la force secteur Est, monsieur le coordinateur des EPI, commandant secteur Unipol, secteur Est, madame et monsieur, chef de section et unité de la mission, messieurs les commandants contingents, madame et monsieur, honorable invité. Je tiens d'abord par ma voix tous les contingents, et en particulier les résidents du RI ici présents, de vous souhaiter la bienvenue. Cette cérémonie de médailles, cette cérémonie de remise de médailles marquera la mémoire de chacun de ces morts pays d'eux, et elle servira sans doute dans notre avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre retrouvaille aujourd'hui pour la deuxième cérémonie du genre, pour la remise des médailles aux 140 personnes de la mort qui étaient ici à Bria, cornent les efforts consentis dans un mandat accompli sous le drapeau des Nations Unies et particulièrement sous l'égide de la MINUSCAP. Ces efforts concrétisent une volonté politique de notre pays pour œuvre à préserver la paix dans le monde et un objectif de notre commandement pour le renforcement de nos capacités professionnelles et une meilleure polyvalence. Mon colonel chef de la composante police adjoint, nous tenons encore à vous réitérer notre reconnaissance de bien vouloir présider cette cérémonie dont les honneurs iront droit au cœur de tous les Mauritaniens. Mesdames et messieurs, ces contingents d'Amorais PIDE, à l'instar de son prédécesseur, avaient pris confiance à l'engagement de s'investir pour protéger et parler des plus vulnérables de la population centrafricaine à Bria de toute atteinte nuisible. Ainsi, notre unité a de dessus relève et de plus détaillé et faire preuve d'une grande valeur de professionnalisme de sérieux de nouveau menacer la face des missions multiples et voire même complexes. Et la situation dans cette région et particulièrement dans la ville de Bria. Malgré les contraintes et le manque d'expérience dans la zone opérationnelle, notre contingent a été déployé le 6 juillet 2018 et dès son engagement si déterminé, il s'est vite adapté aux réalités et aux exigences de la mission. À cet effet, il est des questions d'affranchir les tâches habituelles de police, telles que les missions de sécuritaires, où notre unité a participé à sécuriser des sites et de plusieurs festivités dans les différents quartiers de Bria. Par ailleurs, notre canton général est appelé à assurer une présence permanente à travers des patrouilles, des interventions de protection, des interpellations et des effractions pour le maintien de l'ordre. Il est aussi exécuté plusieurs missions de sorte
des services de l'ordre, ainsi que la sécurisation des installations onusiennes et la participation aux diverses activités. Chers invités, nous sommes conscients qu'en intégrant le théâtre des opérations de la MINUSCA, nous avons pour conviction d'accomplir un devoir, celui d'apporter la contribution mauritanienne à l'édification de la paix et la contribution de la réconciliation de ce beau pays qu'est le Centrafrique. Nous mesurons à ce juste valeur la cérémonie de ce jour qui investit de nos yeux une importance capitale car elle est l'occasion d'instaurer par les Nations Unies pour témoigner leur satisfaction et leur reconnaissance aux officiers de police servant sur leur illustre colère. Soyez rassurés que nos récipiendaires ici présents comprendront comme leurs prédécesseurs la valeur de cette distinction. Frères officiers et sous-officiers, soyez fiers de recevoir cette distinction et faisons en sorte de mériter la confiance placée en tout en redoublant d'efforts, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Je vous invite et vous exhorte à avoir un esprit de discipline et de solidarité et de camaraderie pour maintenir la cohésion avec les autres contingents. Respectons la diversité car c'est par l'abrassage des nationalités que s'acquiert l'expérience, c'est ici la réalité, les relations et fortifier l'amitié et la fraternité. J'insiste également sur la nécessité pour nous de faire notre travail quotidien avec le maximum de professionnalisme, de sérieux et d'engagement. Chères autorités de la MINUSCA, chers invités, je ne peux pas mettre en termes de ce mot sans remercier tout le staff de la MINUSCA ici à Bria, et spécialement le chef de bureau, le commandant de la force et le commandant de la police secteur S. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now, the head of his speech, the floor is yours, sir. Maintenant, le discours du chef de bureau. La parole est à vous, monsieur. Distinguished Deputy Police Commissioner, Sector Commander, Commandant, FPO Commander of Police on Post Sector East, Contingent Commanders, all distinguished invitees, ladies and gentlemen. Let me start by congratulating the Mauritanian FPO on the award of this UN medal on the completion of their meritorious and professional services for the restoration of peace, for protection of civilians, and a whole lot of other security duties in very challenging circumstances that they performed during their tenure in Sector East and in Bria. I have enjoyed very personal relationship with the commander and most of the officers, who I find extremely professional, very dedicated to their duties and highly disciplined, agile and adequate, and they did prove this by their continuous engagement in a very difficult environment, particularly in our neighborhood in this IDP camp. Apart from that, they have been called into security duties
all over the town, and we found them that they were ready, steady, and available to take on any challenge that was there. We have been very proud to see their performance and their professionalism and their dedication. And not only on professional level, but I think that they were also a uniting factor. A number of events where they demonstrated the hospitality of Mauritanian people, of their country, generosity in inviting people and having a wonderful time here. These are, I think, great contributions. And of course, Mauritania as a country, I think we are grateful to the government and the police commissionerate and armed forces of Mauritania for contributing the police contingents and military contingents to the peacekeeping duties in various parts of the world. The contribution of this particular battalion and earlier FPU battalions definitely adds to the admiration of the government and people of Mauritania for their commitment to global peace. We hope that this contribution from the country will continue. I congratulate once again to the entire members, all the members of this Mauritanian battalion, FPU battalion, for earning this well-deserved UN medal. I wish you all a great future ahead. I wish you to see getting more promotion, more success, and safety and security that you stood for to bring to others. May Allah keep a special blessing to all of you for that sincerity and commitment to peace and security. I am personally indebted that my life has been in your hands, in the hands of all my military contingent. So whenever I say it from the bottom of my heart that we would not be able to operate here if we don't have these men and women who are ready to take, God forbid, the bullet for us, for peace. So thank you very much. My prayers, my best wishes to you and your country. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, with your permission, I said the floor to the Deputy Chief Police Component, Madame Zemsour. Avec votre large permission, je cède la parole au chef de la composante police. بسم الله الرحمن الرحيم. مسيو الشيخ ببيرو ريجنال دو لا مينوسكا، مسيو لو كوموندون يون بول دو سيكتور است، مسيو لو كوموندون ميليتير دو سيكتور است، مسيو لو كوموندون دو كونتيجون موريتاني 2، ديستانغي زامبيتي اون فوكاليتي اي غراف بيرسبكتيف، شير كولابوراتور مدام دي مسيو. سي بور موا ان اونور بارتيكوليير دو مي روتروفي سجور بارمي فو pour présider la cérémonie de remise des médailles des Nations Unies à 140 personnels de l'unité de police constituée de la Mauritanie 2 basée ici à Bria. Pour commencer, permettez-moi de remercier sincèrement Monsieur le Commandant de Contingent pour ce mot aimable de bienvenue prononcé aussi bien à mon égard qu'à celui de la délégation qui m'accompagne. Je voudrais par la suite remercier mon ami personnel Monsieur Imtiaz Hussein, le chef du bureau, pour son encadrement et son leadership de l'ensemble du personnel qu'il a la lourde tâche de diriger afin d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par la mission. Merci enfin à vous tous. Votre présence ici ce matin témoigne, s'il en était encore besoin, de la bonne qualité des relations qui vont bien
qui voulait admettre en fait ce jour. Mesdames et messieurs, c'est précisément en 2014 au sein de l'ONU en Côte d'Ivoire que la Mauritanie, ce grand pays de plus d'un million de kilomètres carrés situé au nord-ouest de l'Afrique, a choisi de lutter pour le maintien de la paix dans le monde, en inscrivant son nom parmi les pays contributeurs de troupes. Cette importante décision s'est matérialisée par l'envoi de ses premières troupes en Côte d'Ivoire, à côté de sa République sœur de Côte d'Ivoire, toujours dans cette logique de voir la paix régner partout dans le monde. Allah, en chevet de la politique centrafricaine depuis 2015, à ce jour, elle compte un total de 1030 hommes au sein de la MINUSCA, constitués des militaires, des gendarmes et des policiers qui ouvrent de jour comme de nuit pour le retour d'une paix durable et définitive dans ce beau pays, la Centrafrique. L'unité à l'honneur aujourd'hui est donc la deuxième de ce type de séjournée dans cette ville. Chers invités, mesdames et messieurs, comme je l'ai toujours déclaré, en des pareilles circonstances, la médaille est une forme de reconnaissance pour les archives de travail bien fait. Nous sommes donc rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer le mérite d'un travail soigné et rigoureux, abattu par des hommes bien formés et rompus à la tâche de protection des civils, de civilisation et de maintien de l'établissement de l'ordre public. Durant son retour de service, l'unité de police constituée de Voltaire de la MINUSCA aujourd'hui, à l'honneur, a réussi à sécuriser des comptes déplacés où elle a effectué plusieurs opérations de police. Elle a par ailleurs assuré la sécurisation de plusieurs manifestations, activités, installations des Nations Unies ici à Brive. Les ONG effectuaient plus d'une centaine de patrouilles dans le camp déplacé et même dans la ville. Des interpellations de criminels. C'est pour moi à l'occasion de saluer au nom de la MINUSCA en général et de la composante de police en particulier l'expertise et le professionnalisme dont vous avez fait preuve aux côtés de votre chef de secteur lors des différentes opérations que je viens de citer. Chers récipiendaires, en ce moment précis, vous méritez amplement d'être fiers. En effet, juillet 2018, vous avez accepté de laisser vos familles respectives pour venir ici sur le théâtre des opérations risquées, vos vies, vous apporter votre aide au peuple frère de la Centrafrique, qui n'aspire qu'à la paix et au mieux vivre. Vous pouvez être fiers d'avoir accompli votre mission et apporté votre pierre dans l'œuvre de reconstruction de ce beau pays. Sous la conduite de votre commandant, le lieutenant-colonel Mohamed Mossad, à qui j'adresse ici mes vives félicitations, vous avez su faire preuve de discipline dans les rangs et surtout mettre en valeur vos grandes qualités professionnelles. Au nom du général de division Pascal Champion, chef de la composante police de la MINUSCA, que j'ai l'honneur de représenter ici aujourd'hui, je voudrais vous assurer que votre contribution au sein de la composante police est appréciée. Pour terminer, je voudrais vous féliciter pour votre contribution au prix a été décerné il y a quelques mois par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine relatif aux abus et exploitations sexuelles. En effet, la composante police de la MINUSCA a enregistré 0 cas en 2018 dans ce domaine sensible. Je vous invite donc, pour le peu de temps qui vous reste, à poursuivre vos efforts d'encadrement des hommes placés sur votre commandement. J'invite donc votre commandant à venir chercher le certificat de reconnaissance de la hiérarchie pour l'honorable contribution de votre contingent à l'atteinte de ce grand résultat. Vive la MINUSCA, vive la République centrafricaine, vive la République islamique de Mauritanie. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie de votre attention. Sengi Lamingi. Thank you again.